Ce résumé vous est présenté par Lay's et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Catebourg. Voyez, une bonne intervention là d'Estupinian, le défenseur équatorien, et de l'espace. Attention ici, il est dans le rectangle et il va la mettre au fond. 2 minutes 30 de jeu entre les jambes du gardien argentin Musso. Et voilà, ben, je vous parlais de Danjuma, le voici déjà en action. Premier ballon, première touche de balle, première passant en profondeur et l'ouverture du score dans un match vraiment qui s'annonce assez explosif. Regardez la tête de Gasperini. Unai Emery très calme. La petite touche, Ilicic, c'est pas mal. Et cette tête qui va passer juste au-dessus. On est passé tout près de l'égalisation là avec Raphaël Toloi. Et la frappe qui va partir, elle était belle, elle prenait la bonne direction, belle intervention aussi de Rulli. Voilà, il passe encore une fois et il va se ménager tout simplement une nouvelle occasion, un tir cadré sans grand danger. Ballon prolongé d'Anjouma collé là par Demiral et qui s'en sort très bien. Pas mal fait du tout avec Moreno de l'autre côté. Gérard Moreno. Danjuma n'a pas pu se retourner cette fois, n'a pas pu contrôler correctement ce ballon, mais Villarreal qui insiste. Capoue qui a des libertés là et qui va aller planter le deuxième but. 41e minute de jeu, catastrophe pour l'Atalanta. Juste avant la pause, oui, on a du mal à y croire honnêtement. 41e, donc ça fait 0-2 et ça fait mal hein, clairement. Juste avant la pause, on a laissé un peu trop de liberté là à Capoue. Ouh, cette balle qui se met bien là avec oui, Danjuma. Ben voilà, quelle efficacité, c'est juste incroyable. 50 minutes, donc il avait marqué après 2 minutes en première période. En voici un autre 5 minutes après la reprise. Et ça, c'est le but sans doute de trop pour l'Atalanta. 0-3, ça commence à devenir sévère là au niveau du score. Toloi va peut-être pouvoir adresser un centre maintenant. Il est parti ce centre-là, Zapata n'y arrive pas, peut-être Mel avec cette passe en retrait maintenant. Malinovski, ouais, c'est but, 70e. Ouais, on regarde s'il n'y a pas une position de hors-jeu ou autre. Est-ce que ce ballon n'a pas été légèrement dévié? Eh bien voilà, ça c'est déjà un changement payant pour Gasperini. Avec donc Malinovski qui réduit l'écart à la 70e. Ça fait donc un but à 3. On voit cela ici, le centre d'Atebourg. Zapata ne peut pas jouer ce ballon et Mel, c'est la bonne passe en retrait. Muriel. Et pas de position d'hors-jeu peut-être pour Zapata qui fait sauter ce ballon. Oui, c'est 2-3 dans ce match. Voilà, ça se réalise hein, exactement ce que je vous disais il y a quelques instants. Avec un petit but maintenant, ben, ça pourrait nous valoir une fin de match à suspense. 2-3 donc, enfin en réussite, le grand Colombien. Après donc Malinovski à la 70e, 79e, c'est Zapata qui relance véritablement cette partie. Toloi. Atebourg qui a hésité à centrer, c'est Toloi qui prend ça en charge et la tête de Zapata en plein sur le gardien. Ilicic, ça passe. Ilicic pour le petit centre maintenant. Ah, il y a deux joueurs qui voulaient mettre la tête. Muriel pour reprendre le poteau. Ouh là là, ah, c'est Toloi
qui s'était fait qui s'était placé là comme un numéro 9 véritablement, surpris bien sûr sans doute par le rebond sur le montant, mais on était sur le 3 buts partout là. Dommage pour ce centre d'Ilicic, mais repris finalement par Muriel. Il était battu cette fois, Rulli. Bien dommage. De toute façon, à 3-3, évidemment, ça ne change pas grand-chose. Et peut-être maintenant 2-4. Attention à cette dernière action. C'est à côté. C'est à côté pour Boulaïdia. Ce résumé vous a été présenté par Laze. Et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League.